J'en ai tellement marre de manger cette salade sans goût. Skyler monte sur la balance et… Yes! J'ai perdu 100 grammes! Wow! Faut fêter ça, là! Il y a quoi dans le frigo? Ouh! Il y a tout plein de friandises! Je vais toutes les prendre! Ah! Comment je pourrais vivre sans sucre? Tu sais ce que c'est? Une roue pour choisir des M&M's au hasard. Eh oui! Ces adorables petits gars sont des M&M's. Et on dirait que le bleu n'a pas de chance aujourd'hui. Oh non! Pourquoi moi? Oh, sauf qui peut! Voilà ce que c'est que d'être un M&M's. Désolé, mais ton destin est scellé. Comme tous les autres dans ce paquet, d'ailleurs. Miam, trop bon! Ewald est toujours occupé à travailler. Oh là là, quelle vie! Parfois, on n'a qu'une envie, c'est d'échapper à sa routine de bureau. Ouh, du pop-rox! Tout ce qu'il te faut, c'est un peu d'excitation. Oh, c'est parti! Wouhou! C'est la fête dans ma bouche! Ces filles sont dingues! Quelle danse endiablée et explosion de confettis! Mais parfois, c'est juste un peu trop à supporter. C'est bien trop intense! Waouh, de la barbe à papa! Miam! Mais juste au moment où tu t'apprêtes à la manger, quelqu'un vient t'en empêcher. Je dois répondre et finir cette conversation aussi vite que possible. Hé, la mouche! C'est pas pour toi! Oh non! Qu'est-ce qui m'arrive encore? Laissez-moi manger! Est-ce que c'est une conspiration ou quoi? Bon, c'est pas grave. Tu n'as Dieu que pour ça. Quand on a une chose aussi savoureuse entre les mains. Oh oui! J'accours vers toi, Ryan! Oups! C'était dingue! Oh non! Pourquoi je suis couvert de barbe à papa? Bah t'as oublié, idiot! C'est toujours comme ça avec moi! C'est quand même bon! J'adore la barbe à papa! Harry Potter a des millions de fans. Et Skyler est définitivement une Potterhead. Expelliarmus! Oups! Bon, ça arrive avec la magie. Prends donc ces bonbons magiques pour t'en remettre. Des haricots Bertie Bott's à tous les goûts. Mes préférés! Je me demande quel parfum je vais avoir. Je vais goûter. Miam! Trop bon! C'est tellement sucré! Il est temps de goûter le prochain bonbon. Il est un peu bizarre. Pas grave. Le goût est bizarre aussi. Berk! Oh non, je crois que je viens de manger. Vaut mieux pas y penser. Dégueu! Tu sais pas quoi faire? Fais du pop-corn. C'est exactement ce que Skyler est sur le point de faire. Mets le sac dans le micro-ondes, règle le chrono et lance-le. Dans quelques minutes, ce sera prêt à être mangé. Mais il se passe quoi à l'intérieur du sac? Waouh! C'est un vrai numéro de cirque là-dedans! Et il peut littéralement des acrobates! Éteins juste le micro-ondes à temps! Le pop-corn est parfait! Alors, où c'est? Vite! Ah ben enfin! Mes Oreos! Mes gâteaux préférés! Ouvrez-vous! Bingo! Mon biscuit! Sépare les moitiés et… Ouais, c'est à ça que ça ressemble! Quand quelqu'un lèche la crème des Oreos! Imagine ce que ressent le biscuit! Oh non! Je suis couvert de bave! Et encore! Berk, mais c'est dégueu! C'est tout le temps comme ça! Tu veux connaître l'avenir? Alors ce qu'il te faut, c'est des biscuits chinois! Oh là là, c'est tellement excitant! Ok, Emily. Du calme. Casse-le. Waouh! On a l'impression d'assister à une séance avec une vraie voyante. Comme c'est mystérieux! Des cartes de tarot, une boule magique. En somme, de la vraie magie. À l'intérieur d'un biscuit. La pause entre les cours, c'est le meilleur moment à l'école. Oh, faut que je rafraîchisse mon haleine. Et à chaque fois que tu mets un chewing-gum dans ta bouche, l'opération de nettoyage pour tes dents commence.
Wow, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Mais ce petit morceau de nourriture n'est clairement pas le bienvenu ici. Pars d'ici tout de suite! Oh, qu'est-ce que c'est? Mais on n'a pas fini! Maintenant, on passe à la cryothérapie. Tu voulais rafraîchir ton haleine, n'est-ce pas? Allez, respire profondément. Tu sens cette fraîcheur glacée? Oh là là, c'est vraiment super froid! C'est un vrai glacier arctique! Yes. Miam, quel délicieux gâteau! Et il est trop beau! Mais avant d'attaquer le gâteau, faut évaluer la situation. Personne peut me voir, n'est-ce pas? Donc, c'est pas grave si je mange un petit morceau. Mais ça, c'est que l'opinion de Ryan. Le gâteau, de son côté, flippe carrément. Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, hey, c'est à moi! Oh, c'est trop bon! Oups, quelqu'un arrive. Oh non! Ryan revient en reprendre. Et il n'est pas prêt d'hésiter. Il coupe un morceau. Oh là là, non! Il me déshabille! Le gâteau est en danger. Au secours! Quel beau coussin! Oh, qu'est-ce que c'est? Des Twix! C'est une bonne surprise, ça! Je ferais mieux de les manger maintenant. Chaque fois que quelqu'un ouvre un paquet de Twix, c'est la bagarre. La barre de gauche et la barre de droite ne s'entendent pas. Elles se disputent toujours pour savoir qui est la meilleure et la plus savoureuse. Ça peut durer une éternité. Mais cette fois, la barre de droite a gagné. Bon, bah alors on va commencer par celle-ci. Ce serait quoi une soirée téloche sans grignoter? Skyler a tout prévu. Du coca et des tartines de nut. C'est un super snack. Il y a clairement quelque chose d'intéressant qui passe à la télé. Parce que Skyler attrape le pain dans l'assiette sans même le regarder. Et elle étale généreusement du Nutella dessus. Mais quel festin! Ou un vrai carnaval, avec du maquillage fait par la célèbre artiste nommée Nutella. Elle te fera une moustache aussi. Et une barbe. Tu ressembles à Salvador Dali. Ça dérange pas du tout Skyler. Parce que c'est trop bon. Enfin! Je vais pouvoir traîner sur le canapé avec une boîte de Tofifi. Pas de chance pour tes dents, Ewald. Parce que le caramel va s'accrocher dessus comme de la colle. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est comme si mes dents étaient collées ensemble. Mais Ewald va pas s'arrêter pour autant. Oh, salut! Bienvenue dans le clan des destructeurs d'émail dentaire. On va commencer par ces bagues. Aïe! J'ai un truc de coincé là-dedans. Un troisième? Ewald, t'es sérieux là? Et encore un? Avec autant de soutien, les bonbons sont sûrs de faire tout leur travail. Je crois que je vais m'occuper des caries. J'adore la partie déco. Et voilà le quatrième membre de l'équipe. Le broyeur de dents. Ça fait mal! Mais ils font que leur boulot. Tu peux rien y faire. Ça y est, Ewald en a eu assez. Il est coriace ce bonbon! Tu as aimé nos sketchs sur les aliments qui ont pris vie? Est-ce que tu aimes ce qui est sucré? Quelle est ta friandise préférée? Dis-nous tout dans tes commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Ne manque pas les nouvelles vidéos sur les aliments qui sont devenus des personnes sur Troom Troom.